L'entraîneur-chef de cette édition 2023 de Nos Pionniers, Maxime Lépinay. Et on souhaite la bienvenue aux Gaulois de l'Apocatière qui seront nos adversaires cet après-midi au stade du complexe Guillaume Leblanc. Et sans plus tarder, dans un tonnerre d'applaudissements, accueillons les joueurs de l'édition 2023 des Pionniers du Cégep de Rimouski! Encore une fois, une météo qui est favorable alors qu'on a prévu de la pluie une bonne partie de la semaine. Finalement, ce sera seulement en début de soirée. On sera en mesure d'avoir une belle partie dans des conditions quand même très respectables dans ce samedi après-midi au stade du complexe Guillaume Leblanc. Alors, sans plus tarder, on inviterait les deux équipes à leur ligne, autant l'Apocatière que Rimouski. Et je vous prierai de vous lever maintenant pour l'interprétation de l'hymne national qui sera interprété aujourd'hui par M. Rodrigue Jonca de Rimouski. Oh. Porter la croix, ton histoire est une épreuve.
protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Maintenant, j'inviterai les capitaines des deux équipes à se rendre au centre du terrain ainsi que la représentante de la financière Banque Nationale pour le tirage au sort. Les officiels de la rencontre aujourd'hui, on aura entre autres comme le deuxième juge de ligne, le numéro 278, Martin Lavoie, le premier juge de ligne, le 359, Vincent Thibault, le juge de mêlée, le numéro 158, André Lebrun, ainsi que l'arbitre en chef, le numéro 145, Sylvain Marchand. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre descripteur-analyste, Étienne Gauvin. On se rappelle que les Pionniers ont subi une défaite de 37-0 lors du premier match de la saison. L'Apocatière sont actuellement au deuxième rang de la section nord-est avec une fiche de 4 victoires et une défaite. Et on vous rappelle, si vous voulez avoir de, faire de l'ambiance, on a les petits clap-clap orange là, qui sont disponibles sous les gradins dans les sections 4, 5 et 6. On vous demande bien sûr de les remettre après la rencontre pour les réutiliser pour les games suivants. Mais histoire de mettre de l'ambiance, ne vous gênez pas, ils sont disponibles actuellement. Plusieurs en ont d'ailleurs dans les estrades des sections 4, 5 et 6 sous les gradins. Alors, mesdames et messieurs, les pionniers du Cégep de Rimouski, Alimentation Coop Rimouski, Gérard Extrait, Budweiser, vous souhaitent un bon match! Tentative de botter court du côté des pionniers. Malheureusement, on n'a pas fait la distance minimum. Les Apocatières vont donc s'installer à l'attaque. Dans le champ arrière, du côté de l'Apocatière, on rejoint rapidement le porteur de ballon. Deuxième essai. Vos pionniers sont soutenus par Armoire Distinction, Biéraliste, Budweiser, Tanguy, TELUS, la financière Banque Nationale, Desjardins, Copsco du Cégep de Rimouski, IGA Extra, Voisin Chêne et Carrossier Procolore.
Il va à nouveau par la course. On arrête rapidement la progression. Déjà un troisième essai pour la Pocatière. Alors, travail très bien effectuellement par la défensive. On vous rappelle que la Budweiser est offerte à 4 $ seulement sous les gradins ou encore avec les commis qui se promènent un petit peu partout dans les estrades. Aller chercher l'héberge manquante, premier essai de la Pocatière. Le numéro 23 qui a réussi à aller chercher quelques verges, Samuel Roy des Gaulois. Samuel Roy qui va chercher quelques verges. Deuxième essai pour la Pocatière à l'intérieur du territoire des Piquenis. Du côté gauche de Samuel Roy qui réussit à échapper à la couverture. La Pocatière qui s'inscrit en premier au pointage, c'est maintenant 6-0. Et la marque est maintenant de 6-0, les Gaulois. Cette rencontre est rendue possible avec FPS, groupe location Bas-Saint-Laurent, la Soper, la cage brasserie sportive, les immeubles Bien et Wallet et Fils MNP, physiothérapie, mouvement plus, Gagnon Image, le 98.7 Énergie TR3. Formation d'un point qui n'est pas réussi par la Pocatière, c'est encore 6-0 pour les Gaulois. Nous allons pouvoir s'installer à l'attaque. Alors on change de côté, on donne un momentum à nos pionniers. Faites du bruit! Merci également à Pyro Concept qui ont été responsables de nos spectacles d'ouverture, entre autres. Dès le début de la saison, le journal Le Soir, Yoga Sam, la Société Boulevard Chevrolet, la Ville de Rimouski, la Fondation du Cégep de Rimouski ainsi que le Cégep, fier partenaire encore une fois de nos pionniers édition 2023. Excellent retour de beauté d'envoi d'Olivier Mire qui, avant la rencontre d'aujourd'hui, avait une moyenne de 21,5 verges sur les retours de beauté d'envoi.
Avant la rencontre d'aujourd'hui, la Voix avait déjà 385 verges par la course et 4 touchés. La Voix qui garde le ballon à nouveau et ça va chercher quelques verges. On est à la ligne de 20 du côté des Pionniers. Là-dessus. Là. John Jean-Baptiste Gaillé, mais effectivement, il y a un mouchoir sur le terrain. On vous invite à encourager nos étudiants athlètes avec Francis qui se promène parmi vous pour le moitié-moitié. Un billet pour deux, 3 pour 5 $, 10 pour 10, tirage lors du quatrième quart. Contre les Pionniers. Donc, malheureusement, reculé, on va recommencer le premier essai. Deuxième essai, pardon. Il y avait une infraction de chaque côté, les infractions s'annulent. On commence là où on était. Remise à Gaillé à nouveau qui va chercher quelques verges. Bon, au troisième essai du côté des Pionniers. Dans le match d'aujourd'hui, John Jean-Baptiste Gaillé avait déjà amassé 340 verges au sol et 2 touchés par la course. La Voix qui a gardé le ballon, on le rejoint rapidement. Donc, deuxième essai pour les Pionniers. Heureusement récupéré, mais cafouillage malheureusement. On a quelque peu jonglé avec le ballon. Heureusement, Gaillé réussit à le récupérer. Pardon. Troisième essai, vos Pionniers. Qui a conservé le ballon. On est à la ligne de 10 verges, quatrième essai Rimouski. Malheureusement,
pas réussi. Qui a frappé le poteau, le botté de précision n'est pas bon. C'est l'apocatière qui reprend le terrain. Qui reprend le ballon, pardonnez-moi, à la ligne de Dibert. Et Étienne, dans l'éventualité, qui serait rentré quand même à l'intérieur, est-ce que ça aurait compté ou... Oui. Remise à Samuel Roy qui va chercher quelques verges. Deuxième essai, la Pocatière. Du côté des Gaulois. Il a stoppé la progression. Ce sera donc troisième essai. On vous rappelle pour suivre les différentes activités de votre équipe de football collégial, les Pionniers. On vous invite à cliquer j'aime sur leur page Facebook. Vidéo d'entraînement également, résultats de l'équipe sur la route et à l'extérieur. Côté des Gaulois, on va donc reculer et on va recommencer le troisième essai. Alors, on concède 2 points. Alors, ce qui amène la marque maintenant, qui réduit l'écart de 4 points, 6-2, la Pocatière. On vous rappelle que la batte et la cage, ainsi que les Pionniers, font le trio parfait cette saison avec votre billet de match des Pionniers Football. Profitez d'un 2-pour-1 sur les produits la batte à la cage Brasserie Sportive de Rimouski. Vous apportez votre billet tout simplement et vous avez un 2-pour-1. Quoi de mieux pour les après-matchs de foot, dont celui de ce soir? Une promotion valide à la cage Brasserie Sportive de Rimouski le soir des matchs à domicile ainsi que le lendemain. Remise à Gaillé qui est rejoint rapidement et dans la ligne de 30 du côté des Pionniers. Ce sera le deuxième essai. Wow!
complété à Ghislain, Nyon Gabo et les pionniers inscrivent un toucher. Quelle passe sur du long terme, attrapé avec brio. Belle course, bravo. Et là, c'est réussi, il n'a pas raté son coup. Un point de plus de Facis! La passe de toucher complétée de Mathis Lavoie à Ghislain Nyon Gabo pour 78 verges. La voix qui conserve le ballon, les pionniers vont s'installer pour un deuxième essai. La ligne de 15 verts. Remet à Gaillé qui s'en va chercher 5 verges supplémentaires. Troisième essai, vos pionniers à la ligne de 10. On demande un temps d'arrêt du côté des pionniers.
Élise Agaillé dans le champ arrière. Malheureusement, on stoppe sa progression. Ce sera le quatrième essai à nouveau pour les pionniers. Allez chercher le premier essai. Pardonnez-moi. Donc, premier essai, les buts pour Rimouski. C'est tout près, mes proches. Stoppé net juste avant la fin. De son mieux pour éviter les plaqués. Il a réussi à aller gruger encore quelques verges. Troisième essai, les pionniers à la porte des buts. Très agile malgré tout. Il s'est défait quand même de deux adversaires. Il a été stoppé par le troisième. On vous rappelle bien sûr de ramener vos déchets dans les poubelles et bien sûr les conduits recyclables dans les bacs bleus juste en dessous dans les granules. La transformation d'un point qui est réussie. Les pionniers qui mènent maintenant 16 à 6. Il mérite une bonne dette d'applaudissements. Nos locaux qui sont en feu cet après-midi au stade du complexe Guillaume Leblanc. Le toucher de Mathis Lavoie inscrit sur une course de 4 verges. Ça lui fait donc maintenant 5 touchés au sol depuis le début de la saison. Tour de botter l'envoi jusqu'à la ligne de 50. Malheureusement, il y a un mouchoir sur le terrain. Quand même une belle course pour le numéro 13 des Gaulois, Olivier Boulanger. La pénalité du côté de la Pocatière, on a retenu. On va donc reculer. On reprendra le ballon à la ligne de 31 verts. Mise au porteur de ballon, la défensive qui s'interpose rapidement. Deuxième essai, les Gaulois. Defense! 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 Defense!
porteur de ballon rapidement à nouveau. Déjà troisième essai pour les Gaulois. Sur le terrain. On a retenu à nouveau du côté des Gaulois. On va donc reculer et reprendre le troisième essai. S'impose, l'attaque fait le travail, 16 à 6, dernière minute de jeu dans ce premier quart. Sur le terrain. On a bloqué dans le dos du côté des pionniers. On va donc reculer et reprendre le deuxième essai. Conserve le ballon, le stop à la ligne de 30 verges. C'était donc le dernier jeu du premier quart. Vos pionniers qui mènent 16 à 6 contre les Gaulois de la Pocatière. Et oui, ça mérite vos encouragements pour vos pionniers! C'était maintenant le dernier jeu du premier quart. Et les pionniers mènent toujours 16 à 6. Locaflex, votre centre de location d'équipement à Rimouski pour vous accompagner dans vos petits, grands projets de construction. De plus, on vous invite à venir festoyer avec nous à la cage Brasserie Sportive après le match.
puisqu'il y aura le tirage d'un chandail vintage rétro signé par les anciens pionniers. On a bougé trop rapidement du côté des Gaulois. Maintenant 19 à 6. Alors, on use de stratégie. On va chercher des points de grippe et de grappe. 13 points d'avance actuellement sur les Gaulois. La marque 19-6. Longue course de Samuel Roy qui est finalement rejoint sur les lignes de côté. À nouveau par la course, Mathias Landville qui va chercher le premier essai. Oh, il y a quand même un mouchoir, mais est-ce que c'était bon à la base? Dominique Poulin qui a conservé le ballon. C'est à voir quel est le résultat de ce jeu. Alors, on semble être à une verge seulement. Les pionniers, les Gaulois sont à la porte des buts, première essai. Poulain qui conserve le ballon, va inscrire le toucher.
Les Gaulois répliquent, c'est maintenant 19-12. Alors, la force du nombre là-dessus, on s'est mis en groupe, on a poussé et on a capitalisé. 19-12, on attend la transformation. Gaulois donc a réussi à réduire l'écart. En 19-13, les Pionniers qui mènent toujours par 6 points. Il reste 12 minutes 56 à faire au deuxième quart. Cette rencontre et cette saison est rendue possible grâce à de nombreux partenaires Armoire Distinction. Miralis, Budweiser, Tanguy, TELUS, La Financière, Banque Nationale, Desjardins, Copsco du Cégep de Rimouski, IGA Extra, Voisin, Shell, Carrossier Procolor, FPS, Groupe Location, Bas-Saint-Laurent, Sopère, Cage, Brasserie Sportive pour les après-matchs, les immeubles via les Wallet et Fils, MNP, Physiothérapie Mouvement Plus, Gagnon Image, le 98.7 Énergie, DR3 Expert Conseil, Piro Concept Journal le Soir, Yoga Sam, la Société Boulevard Chevrolet, la Ville de Rimouski, ainsi que la Fondation du Cégep de Rimouski et le Cégep. Complété à Olivier Mire au centre du terrain. Premier essai, les Pionniers. On a eu chaud, il l'a attrapé, conservé, on poursuit. Échappé, mais récupéré par les Pionniers, heureusement. Deuxième essai. Voix qui réussit à faire presque un miracle là-dessus, à se défaire de plusieurs plaqués. On est au centre du terrain, c'est le troisième essai pour les Pionniers. Thank you.
Gaillé qui a réussi à tricoter. Malheureusement, on est à court d'un premier essai là-dessus. L'apocatière demande un temps d'arrêt. On vous rappelle qu'il est toujours temps d'acheter vos moitiés-moitiés au profit de notre équipe de football, les Pionniers, avec Francis, le numéro 50. Un billet pour 2, 3 pour 5, 10 pour 10, tirage lors du quatrième quart. Conserve le ballon sur le quatrième essai. Premier essai, vos Pionniers! Pocatière avec l'interception réalisée par Mathis Parent-Plante. Les Gaulois qui reprennent le ballon. Directement dans les veines du numéro 22, Mathis Parent-Plante qui a saisi l'occasion, qui a fait une très belle course. Stop et net là, à la ligne de 25. Pocatière capitalise immédiatement sur le changement de possession. Samuel Roy avec la course et le toucher. C'est maintenant 19 à 19. Alors, c'est le numéro 13, Olivier Boulanger, qui va tenter de botter. Qui réussit l'apocatière qui prend les devants, c'est 20 à 19. On vous rappelle que cette saison, avec votre billet de match des Pionniers, vous profitez d'un 2 pour 1 sur les produits Labatt à la cage Brasserie sportive de Rimouski. Vous apportez votre billet, vous avez un 2 pour 1. Aussi simple que ça, quoi de mieux?
pour les après-matchs de foot. Une promotion valide à la cage Brasserie sportive de Rimouski. Le soir des rencontres ainsi que le lendemain, la cage, la batte et les pionniers, le trio gagnant. Excellent retour de beauté d'envoi de Ghislain Niangabo, les pionniers qui vont se réinstaller à l'attaque au centre du terrain. Ballon qui a été réchappé mais recouvert. Belle course malgré tout, alors bravo! Avec la course, on va chercher quelques verges. On s'installe pour un deuxième essai. Compléter la passe au centre du terrain. Malheureusement, c'est incomplet. Ce sera donc le troisième essai pour les pionniers. Passe incomplète à nouveau, quatrième essai. La remise au porteur de ballon, Samuel Roy, qui est attendu de pied ferme. Deuxième essai des Gaulois.
de carrière Dominique Poulin qui conserve le ballon. Et on est allé chercher un premier essai. Il y avait un peu d'animosité, on sépare les joueurs. Le normal, très serré, 20-19, je vous rappelle toujours, pour les Gaulois. À nouveau par la course du côté des Gaulois. Alexis Cadorette qui a... On a un joueur au sol du côté du des Pionniers, ouais, qui est blessé. Samuel Roy qui est rejoint sur les lignes de côté. L'apocatif. Dominique Poulin qui conserve le ballon. Il va inscrire le toucher lui-même par la course. Pocatière qui creuse l'avance. C'est maintenant 26-10. Il avait le champ libre. Il a fait une belle course facilement. 26-19, les Gaulois. Les Gaulois qui réussissent la transformation d'un point. C'est maintenant 27-19. Il reste 3 minutes 43 à faire à cette première demi. Alors, même si ça change de côté, il faut dire qu'on a eu quand même tout un spectacle au cours de ces deux premiers quarts avec
beaucoup de points ici au stade du complexe Guillaume Leblanc. On attend le verdict des arbitres. Le physiothérapeute se rend au joueur qui a été intercepté. Sur la séquence, il y a pénalité contre la Pocatière. Alors, on recule quand même un peu plus profond là, pour reprise du jeu. Procédure illégale du côté des pionniers. On va reculer, on va recommencer le premier essai. Complétée sur les lignes de côté à Étienne Gauthier. Premier essai, les pionniers. Quel bon bras, quelle belle passe. Faites du bruit pour vos pionniers. La longue passe de Dom Bassi pour 52 verges complétée à Étienne Gauthier.
Alors, il s'agit de la pause des 3 minutes. La voix qui échappe le ballon aussi, récupéré par les Gaulois. Samuel Leroy, on doit absolument lui concéder aucun pouce de terrain. 6 points plus, la marque est de 33-19, les Gaulois. Transformation d'un point qui est réussi, les Gaulois ajoutent à leur avance 34-19. Le toucher des Gaulois a été inscrit par Samuel Roy sur une course de 80 verges.
Les pionniers qui se restent à l'offensive. Il reste 2 minutes 21 au deuxième quart. On est à la ligne de 40 BA. De rejoindre Gauthier sur les lignes de côté. Malheureusement, la passe est incomplète. Directement dans les mains. Directement dans les mains du numéro 13, Olivier Boulanger. L'interception des Gaulois avait été réalisée par le numéro 17 de l'Étienne Montigny. La remise à Samuel Roy. Un autre touché pour les Gaulois. Maintenant 49. Encore une fois, il ne faut absolument lui concéder aucun espace. Voyez le résultat, 6 points de plus. La marque est de 40-19 pour les Gaulois. 1 minute 23 à faire en ce deuxième quart. Transformation. Transformation d'un point de réussite, c'est 41-19 pour les Gaulois. Le toucher des Gaulois a été inscrit par Samuel Roy. Samuel Roy sur une course de 64 verges. Si on regarde le premier quart, quand même très serré, 19 points de la part des pionniers, la marque n'était que de 29. Le deuxième a été à l'avantage des Gaulois jusqu'à maintenant. Thank you.
Alors, à noter que le 23, Samuel Roy, du côté de la Gaulois, est rendu à 289 verges. D'envoi a été réalisé par Arthur Sissac. Les pionniers qui se réinstallent à l'attaque avec 1 minute 16 à faire au deuxième quart. Sur les lignes de côté, c'est malheureusement incomplet. Se compléter sur les lignes de côté à Ghislain et Nyon Gabo. On va chercher le premier essai du côté des pionniers. Dernière minute de jeu à ce deuxième quart. On avait rejoint Gilles Bargui, mais malheureusement, on échappe le ballon. Troisième essai. Qui conserve le ballon. Malheureusement, on est à court d'un premier essai. Quatrième essai au pionnier. Attention, Flac! Temps d'arrêt demandé par Rimouski. Thank you.
le couvert juste à temps. Bassi qui a effectué une croquée lui-même. Malheureusement, on va donner l'immunité au receveur Gaulois. J'ai trop rapidement du côté de la ligne défensive des Pionniers. D'autres joueurs sur le terrain du côté des Pionniers. Pénalité à nouveau du côté des Pionniers. Donc, c'est les Gaulois dans la ligne de 50. Légèrement trop loin pour être capté par le numéro 13 des Gaulois. Sur les lignes de côté, c'est incomplet. Va donc troisième essai pour l'Apocatière. Il reste 17 secondes à faire à ce deuxième quart. Passe complétée à Olivier Dubé. Il sort sur les lignes de côté. Malheureusement, on a retenu du côté des Gaulois. Mmh.
Le ballon remis à Samuel Roy. Il est rejoint. Et mouchoir sur le terrain. Pénalité de rudesse contre les Gaulois qui ont demandé un temps d'arrêt. On a bougé trop rapidement du côté de la ligne défensive des Pionniers. Le ballon recommence. Poulain qui conserve le ballon, on réussit de plaquer du côté des Pionniers. C'est là-dessus que se termine le deuxième quart, la Pocatière qui mène 41-19. Alors, malheureusement, un deuxième quart extrêmement difficile pour Rimouski. 21 points marqués par la Pocatière, c'est-à-dire 3 touchés, alors qu'après le premier quart, c'était relativement serré avec la marque de 20-19. Pour l'instant, comme le disait Étienne, la marque est de 41-19 pour les Gaulois. Place à la mi-temps, mesdames et messieurs. On vous rappelle qu'on a tout ce qu'il faut pour se restaurer avec Poutine Hot Dog sous les gradins, de même que les produits Budweiser. Alors, j'invite tous les anciens de l'édition des 22 dernières années des pionniers du Cégep de Rimouski à venir me rejoindre ici au milieu du terrain. J'invite tous les anciens des pionniers du Cégep de Rimouski à venir me rejoindre au centre du terrain. Oh! Venez ici sur la ligne bleue. Alors, c'est l'hommage aux anciens. Aujourd'hui, on regarde vers le public, les gars. Alors, tous les anciens, attendez, je vais vous les nommer un à la fois. Francis Lécuyer. Joël Bérubé. Gagnant de la Coupe Vanier. De l'année dernière, Jasmin Desjardins, Paul Moisan. Il joue maintenant pour l'Université Bishop. Il est en bye week et il est venu voir son équipe. Jean-Philippe Gaudreau. Mohamed
Diaz. Il a déjà fait 3 interceptions en quart de finale, Mathieu Hudon. Hubert Ouellet. Vincent Leclerc. Raphaël Blanchette. Xavier Turcotte. Simon Leduc. Il a joué 7 ans pour les pionniers. William Bois. Louis-David Goulet qui entraîne maintenant au Mistral. Notre super trésorier aux pionniers, Alexandre Carpentier-Boucher. Sunshine! Il entraîne maintenant dans la région des cantons de l'Est. Non, de l'Estrie. En retraite de l'entraînement, Jason Lheureux! Sébastien Dastou, membre de la toute première édition. Mesdames et messieurs, ce sont vos anciens pionniers. On regarde la caméra. Merci. Une bonne année d'applaudissements pour 22 ans d'histoire.
On rappelle que tous ceux qui seront à l'après-match à la cage au sport Brasserie Sportive de Rimouski ce soir, parmi tous ceux qui auront leur billet, bien évidemment, il y aura le tirage d'un chandail rétro de vos pionniers signé par les joueurs. Alors, c'est reparti, mesdames et messieurs. Troisième quart. Marque de 41-19, les Gaulois. On encourage nos locaux, nos pionniers! Olivier Mir qui réussit finalement à protéger le ballon pour le mettre dans le bois pour un gain nul. Les Lyonnais vont se réinstaller à l'attaque en ce début de troisième quart. Cette rencontre est rendue possible grâce à Armoire Distinction, Bialis, Budweiser, Tanguy, Télus, la Financière Banque Nationale, Desjardins, Copsco du Cégep, GX, Voisin, Rimouski, Shell, Carrossier Procolor, FPS, Groupe Location, Bas-Saint-Laurent et Assopère. Ballon échappé dans le champ arrière pour les pionniers. Les Gaulois récupèrent et vont inscrire le toucher. Ce qui amène la marque à 47-19, la Pocatière. D'autres partenaires rendent possible cette saison la cage Brasserie Sportive, les immeubles Vianney Wallet et Fils, MNP, Physiothérapie Mouvement Plus, Énergie 98.7, Gagnon Image, TR3R Expert Conseil, Pyro Concept, Le Journal Le Soir et Yoga Sam. La transformation d'un point qui réussit, les Gaulois mènent 48-19. Le ballon avait été récupéré par Mathieu Saint-Pierre qui a franchi les quelques verges qui le séparaient de la ligne des buts. Dernière chance d'encourager Francis actuellement pour le moitié-moitié au profit de nos étudiants athlètes de nos pionniers. Un billet pour 2 $, 3 pour 5, 10 pour 10 tirage lors du tout début du quatrième quart ici au stade du complexe Guillaume Leblanc.
Olivier Mir qui récupère le ballon, évite quelques platés et quelques plaqués, sort sur les lignes de côté. Les pionniers se réinstallent à l'attaque. Un joueur des Gaulois qui est resté agenouillé sur le terrain, malheureusement. Remise d'arche arrière à Flavio Di Massi qui va chercher quelques verges. Deuxième essai, les pionniers. La Budweiser vous est offerte à 4 $ par les étudiants du Cégep sous les gradins. La remise à Di Massi qui est rejoint encore une fois rapidement. Troisième essai. Passe qui a été déviée et interceptée par la suite par Xavier Saint-Pierre, les Gaulois qui récupèrent le ballon. Sur le terrain. Temps d'arrêt demandé par les pionniers. On vous rappelle pour suivre les différentes vidéos d'entraînement également d'activités de votre équipe de football collégial. Les résultats sur la route ou encore ici au local, on vous invite à cliquer « J'aime » sur la page Facebook des Pionniers. Samuel Roy avec une course et un toucher. Encore ce fameux numéro 23 qui fera faire des cauchemars à tout le personnel d'entraîneur des pionniers, encore une fois. 6 points sur ce coup nous amène à 54-19 avec un différentiel de 35 entre les deux.
La transformation d'un point qui réussit, la Pocatière mène 55 à 19. Alors, l'arbitre vient de confirmer que ce sera maintenant en temps continu puisqu'il n'y a plus que 35 points d'écart entre les deux formations. Bien sûr, il pourra y avoir arrêt lorsque l'arbitre le signifiera. Et là, attention, on a un petit bout de clap-clap, monsieur l'arbitre, derrière vous, là. Oui. Il s'alignait presque pour un toucher, mais ça ne comptera pas, malheureusement. Le retour de beauté d'envoi effectué par Olivier Mire, les pionniers qui se réinstallent une nouvelle fois à l'attaque. La combinaison parfaite cette année, c'est Labatte, la cage et vos pionniers, parce qu'avec votre billet de match de vos pionniers football, vous avez un 2 pour 1 sur les produits Labatte à la cage Brasserie Sportive de Rimouski. Vous apportez votre billet, le tour est joué pour un 2 pour 1. Quoi de mieux pour les après-matchs de foot? Promotion valide seulement ici à Rimouski, les soirs de match à domicile ou encore le lendemain. Remise dans le champ arrière, on va chercher quelques verges. Deuxième essai à la ligne de 10. Le dernier touché des Gaulois de la Pocatière a été inscrit à nouveau par Samuel Roy. Il a maintenant 7 touchés aujourd'hui, 356 verges au sol. La passe complétée à Antoine Barbier. Premier essai, les pionniers. La passe tentée, malheureusement c'est incomplet, ça a été touché du bout des doigts par Antoine Barbier.
L'interception réagit par Benjamin Telmos. Petite correction sur les statistiques de Samuel Roy. J'avais 17 touchés. Il y en a 5. Gaulois, on s'est touché. Et encore une fois, 6 points de plus dans la banque. 61-19 à Pocatier. Le toucher inscrit par Nathan Cabot. La transformation d'un point qui est réussi, la Pocatière mène 62-19. Alors, espérons seulement qu'on n'atteigne pas le même pointage que les Dolphins ont atteint il y a quelques semaines. Le retour de beauté d'envoi qui a été reçu par Xavier Mainville. Gagné se réinstalle à l'attaque. Dombassi qui conserve le ballon. On va chercher quelques verges. Deuxième essai.
remise en charrière à Gaillé qui va chercher quelques verges. Troisième essai. Avec quelques verges, malheureusement, mouchoir. Alors, on recule. La pénalité contre Rimouski. La remise à Dimassi va sortir sur les lignes de côté. Le quatrième essai pour Rimouski. Du côté des pionniers, on concède un point. Touché de sûreté, désolé, on concède deux points aux Gaulois. C'est maintenant 64-19 et c'est la fin du troisième quart. Et c'est le moment de... Pour un moment de réjouissance en sortant votre billet de moitié-moitié. Pour la somme de 221$, le numéro gagnant, le 072-1618, 072-16-18. Vous avez le bon coupon. Et ici, au bas d'annonceur, en haut du stade, récupérez votre prix du moitié-moitié pour la somme de 221$. Thank you.
La remise au porteur de ballon. Alexis Cadorette qui est rejoint par la défensive des Pionniers. Cette rencontre est une présentation d'Armoire Distinction Biralis, Budweiser, Tanguy, TELUS, la financière Banque nationale Desjardins, le Cégep, la Fondation du Cégep de Rimouski, la Ville de Rimouski ainsi que COPSCO du Cégep, IGA Extra, Voisin, Shell, Carrossier Procolor, FPS et Groupe Location Bas-Saint-Laurent. On répète le numéro gagnant du moitié-moitié pour la somme de 221 $, le 072-1618, 072-16-18. Veuillez vous présenter au bar de l'annonceur au sommet du stade. Merci. Samuel Rafiki qui inscrit son 7e plaqué de la rencontre. Félicitations à Taylor Philippe de Rimouski qui remporte le moitié-moitié d'aujourd'hui pour la somme de 221 $. La passe complétée à Justin Roy et les Gaulois qui inscrivent un autre touché en 70-19. Alors avec 6 points de but dans la banque, une transformation qui ne sera qu'une formalité. Et ils pourront dépasser la marque des Dolphins. On réussit la transformation d'un point. C'est maintenant 71-19 pour les Gaulois. Et notons que le numéro 23 des Gaulois est rendu à 356 verges aujourd'hui.
On a récupéré le botté d'envoi, on a mis un genou au sol, donc le jeu s'est arrêté à cet endroit. On vous invite à être des nôtres pour cette prochaine rencontre ici au stade du complexe Guillaume Leblanc, qui sera en fait la dernière partie de la saison régulière. Les Panthères du Collège de Mérici seront les visiteurs. Notez bien, dimanche, ça arrive pas souvent, mais dimanche le 29 octobre, 13h, stade du complexe Guillaume Leblanc. La remise d'enchets arrière du côté des pionniers, on va chercher un premier essai. Bassi qui a conservé le ballon, on l'a rejoint tout juste avant la ligne de 20 verges. Deuxième essai, les pionniers. Bassi qui a conservé le ballon à nouveau, on le rejoint rapidement. Mais toujours à court d'un premier essai. Remise difficile au corps arrière qui rejoint rapidement et on complète le sac du corps. Quatrième essai pour les pionniers. Prudence à nouveau du côté des pionniers et on concède 2 points supplémentaires aux Gaulois qui mènent maintenant 73 à 19.
On rejoint rapidement le porteur de ballon dans le champ arrière et on stoppe sa progression. Ah, troisième essai pour les Gaulois. La remise dans le champ arrière à Maxime Dastou qui va chercher un long premier essai. Et c'est la pause des... Pas de pause de 3 minutes. La remise dans le champ arrière à Jean-Christophe Moreau. On va chercher un autre premier essai. Remise à Jean-Christophe Moreau à nouveau. Deuxième essai. Dernière minute de jeu dans ce quatrième quart. Choix pleuve. La remise à Moreau qui est allé chercher le premier essai avant de quitter sur les lignes de côté, mais effectivement, mouchoir sur le terrain. Alors, on laisse le temps filer. Et le tout se termine par un revers de 73-19 de nos pionniers. Mesdames, messieurs, merci d'être venus encourager vos pionniers cet après-midi. Les pionniers seront sur la route la semaine prochaine lorsqu'ils visiteront Jonquière. Et on sera de retour à Rimouski le 29 octobre prochain à 13h, alors qu'on recevra le collège Mérissy. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Bonne fin de journée. C'est quand même tout un premier quart qu'on a pu avoir, là, si on peut capitaliser sur les choses positives, alors que la marque était de 20-19, mais par la suite, revirement, interception, difficile. Et grosse soirée également pour le numéro 23 des Gaulois. La partie est terminée. Merci à Martin Dallaire, notre DJ, Étienne Gaulin, descripteur analyste, et bénévole, les gens de la billetterie aux étudiants. Également sur technique policière à la surveillance, Richard Lafont et Jacques Bélanger aux statistiques, Véronique Dionne au chronomètre, au marquage ainsi qu'au chaîneur. En mon nom, Patrick Lavoie, ainsi qu'au nom des pionniers du cégep de Rimouski, merci d'avoir assisté à cette rencontre. On vous donne rendez-vous comme convenu dimanche le 29 octobre à 13h face aux Panthères de la Mérissie. On vous invite d'ailleurs à aller profiter de l'après-match du côté de la cage Brasserie sportive de Rimouski. Parmi tous ceux qui auront leur billet, je vous rappelle qu'il y aura le tirage d'un gilet des pionniers vintage signé par les anciens qui étaient parmi nous cet après-midi. Merci d'avoir été parmi nous au stade du complexe Guillaume Leblanc.
Bonne route!